toute la marchandise qui va partir aujourd'hui pour l'Ukraine. La Croix-Rouge secourt des Ukrainiens. Tout au long de la journée, 4 camions remplis de vêtements chauds et de chaussures sont partis de Saint-Quentin-Fallavier, direction l'Ukraine, afin de venir en aide aux populations victimes du conflit armé qui sévit dans le pays depuis maintenant plusieurs années. 123 mètres cubes vont être chargés dans ces 4 camions qui vont mettre une semaine pour rejoindre la province de Zaporijjia, la province où la Croix-Rouge française travaille depuis 10 ans. Cette province accueille 100 000 personnes déplacées qui vivent dans des conditions extrêmement dégradées dans des gymnases, dans des centres collectifs, dans des centres aérés. En proie de violents affrontements et à un contexte politique désastreux, l'Ukraine connaît une profonde crise humanitaire. Une situation bien trop oubliée et passée sous silence, selon Antoine Peignet. Jusqu'à présent, nous pouvions aider 8 à 10 000 personnes, mais nous avons beaucoup de mal à trouver des financements. C'est une crise dont on parle essentiellement sous un angle politique et quasiment pas sous l'angle de ses conséquences humanitaires. Et donc nous avons souhaité emmener un convoi et en même temps dire que nous avons besoin non seulement de cette générosité, mais aussi d'argent pour pouvoir sur place accroître notre aide auprès des personnes déplacées. Ce convoi humanitaire devrait bénéficier à plus de 13 500 personnes.